On est dans le temple du singe. Mais comment je parle que c'est horrible? Alors attends, je prends comme coup une torche là, juste pour voir un peu ce que c'est. Et. Ok, la porte est totalement fermée, donc en gros, je suis bloqué, donc j'aurais pas fini ce niveau. Tout c'est grave, Léo, c'est grave. On est pour l'épisode sur Pitfall, et du coup, c'est parti. Alors attention, par contre, évitons le pire. Mais combien je parie que ce petit singe, dès qu'il va me voir, il voudra me sauter dessus. Mais du coup, attends, il est où la mère gorille alors? Et. Tu m'approches pas tout de suite. Allez hop. Super. Voilà que je suis un singe maintenant. Je parie que c'est jamais arrivé à Indy. Attends. Quoi? Je joue un petit singe? Ah bon? Je suis un petit singe. Attends, t'es sérieux? Attends. Attends une petite minute. Tu peux pas dire en fait que chaque temple qu'on va visiter, en fait, t'as le temple du singe, t'as un truc avec le crocodile, t'as un truc là où c'est ceci, cela, mais qu'en fait, qu'on va faire chaque temple, on va y avoir une transformation différente. Donc en gros, là, je suis un petit singe. Du coup. Oula, attends. Attends. Ça, c'est pour sautiller. Carré, ça fait rien. Rond, ça fait rien. Triangle, ça fait rien. Ça non plus. Ça non plus. Ça, c'est pour tourner. Donc, il n'y a que le bouton X qui marche, mais c'est plus pour faire une sorte de grand saut. Bon. C'est parti, mon kiki, hein. Mais comment ça se passait alors? S'il s'échappe, jamais je ne récupérerai mon corps. Et. Non, attends, tu peux pas me dire que je dois faire une course contre lui? Parce que là, j'avoue que je suis paumé, alors attends. Ok. Oh, nom de Dieu. Oh. Attends une minute. Oh là 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 là. Oh, oh mon Dieu. Oh, alors là, il y a le côté un peu fun dedans. Là, il y a un peu le côté fun. Ok, donc attends, c'est... Je joue le petit singe. Mais il y en a un qui a pris par an de mon corps. Et sur moi, c'est ce petit singe au cou qui joue avec mon corps. Et donc, du coup... Le truc pour que je puisse, au coup, réavoir mon corps, il faudra que je fasse un tic où je saute sur lui, que je m'accroche pour que la mère gorille lui tape dessus. Oh la vache. Oh, je saute très hilarant, ça. Ok, c'est parti alors, par contre. Viens par là. Viens par là et, nom de Dieu, cette caméra. Et attention. Oh, le truc horrible. Oh, le truc horrible. Allez, vas-y, vas-y. Donc là, il faudra combien? 3 coups? 4? Là, c'est la troisième, hein. Donc là, c'est le troisième. Tiens, reviens par là, toi. Putain, mais qu'est-ce qui court, là? Et... C'est bien que je pense aussi. Donc là c'est le quatrième. Et fini. Ouais, donc fallait mettre 4 coups. Alors ça, c'était Space. Ok, c'est bon. Donc là maintenant je suis enfin revenu à moi, mais. Attends. Alors attention, par pitié, pas le petit singe par contre là dans les parages. Alors attends. Qu'est-ce qu'il y a par là? T'as des piliers, des trucs, mais ça va recouvrir là. En tout cas, RAS, hein. RAS de mon point de vue. Bon, j'avoue, c'est un gameplay qui est un peu marrant en soi, mais qui devient un peu horrible. Mais bon. Du coup, hop. Oula. La torche. Attention, quand tu vas dans une zone où il fait sombre là, toujours prendre une torche en soi. Ok. Ok, le fétiche, il est là. Mais attention, par contre, au piège. Non. Non, c'est bon. Et combien je parie que ça va être pas un truc à Indiana Jones? Ou c'est, je vais prendre le fétiche, mais bon, il faut que j'ai un temps limité pour sortir. Attends. On fait le tour. On fait bien le tour. Mais à mon avis, non. Je vois pas grand chose dans les horizons. Donc normalement, il n'y a pas de choses à récolter. Donc normalement, RS. Bon. Allez, c'est parti. On y va.
Alors attends. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, on le prend. Ok, je l'ai pris et... Attention pour rappel. La sortie se trouve par là. On y va. On peut plutôt avoir la torche au soi. Attention. T'es sûr qu'il n'y aura pas des ennemis? Non. Sûr? Je croyais que vous retourniez au camp. Je m'y apprêtais. Mais j'ai préféré jeter un coup d'œil d'abord. Vous savez lire ça? Comme mon père. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça parle de temples qui seraient protégés par des esprits animaux qui voleraient l'âme des humains. Malédiction classique. Ouais, classique. Rien d'autre? Juste une légende sur une ancienne cité perdue. Un mythe stupide. Est-ce que ce mythe stupide aurait un rapport avec ça? Je crois que c'est une sorte de clé. Ça vient d'où? Je l'ai trouvé par terre. Ça pousse comme des champignons. Mais oui. Courez! C'est rien, c'est juste Quicklow. Vous connaissez cette bête? Ouais, une sorcière lui a donné la parole. Je l'ai déjà croisée. Et plus d'une fois. Dis quelque chose? Très drôle, Quicklow. Allez, parle. Parle, fais l'imbécile! Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je ne le laisserai pas te blesser. Vous devriez voir un plombier. Vous êtes vraiment siphonné. Ok. Bon. On va attendre autre chose, mais bon. Donc, je suis sorti du temple. Et la suite se trouve par ici. D'accord. Après ma victoire sur l'esprit singe, une porte s'est ouverte sur un territoire indigène. Je décidais alors que pour avancer, il fallait d'abord que je conclue une sorte de trêve avec les indigènes. Et je me suis donc mis en route vers leur village. Donc là, on va faire un petit tour chez les indigènes et... Je le sens gros comme une maison, pas vous. Mais bon. Au moins, c'est bon. Et donc, du coup, ben... Vous pensez qu'il y a une buscade, mais en fait, non. Bon, ok. Donc du coup, donc on y va pour faire l'autre zone. Mais pour ça, il faudra donc tous retaper... que je me retape l'autre parcours. Mais attention, les ennemis, ils ont pré-pop. Bon, mauvaise idée, mauvaise idée. Bon alors, toi, tu vas être relou. Toi. Hop. Et donc du coup. Chapeau de natation. Hein. Du coup, j'ai dit hop. Là, on se remet ici. Et là, on saute pour avoir la corde. Et donc du coup, je me mets là et... je fais comment par entre là pour essayer d'atteindre cette zone? Y a-t-il pas un bateau quelque part ou une barque? Parce que j'ai l'impression de trouver nulle part où je pourrais aller. Comment faire? Comment faire? Attends une minute. Ça va pas... Il se passe quoi si je jette dans la flotte? Go? Non, plutôt garder. Alors attention. Attends, attends, c'est bon. Ok. Donc j'ai pu y monter et donc du coup, vers le village siamois. Le village siamois. Ok.
Ok, on est arrivé donc dans le village siamois. Bah attends. Si je regarde, on est ici. Et mon objectif se trouve là. Et donc du coup, partant là, pour aller voir ce village, il faudra partir à mon avis que je descende tout en bas, que je prenne directement ici. Donc à mon avis, bah, je vois que c'est comme solution. Hein. Mais bon, s'ils auront débloqué cette porte-là, c'est pas pour rien. Hein. Du coup, allons voir. Allez toi, hop, toi tu dégages. Où sont les autres? Je casse vraiment tout. Ou attends. Ok, je casse ce pot. Attends, là il y a un trou qui mène dans la flotte. Comment je fais pas entre là? Et toi, tu dégages. Et du coup, lui, comment je fais donc en pour la voir? Qui lui balance des bombes puantes. Oh, j'ai vu une corde. Et une corde qui est trop petite. Attends, je vais plutôt me mettre à couvert là. Profiter de boire. Voilà. Hop. Et du coup, on commence à marcher avec lui. Ça ne fait rien du tout. Oui, je suis sûr, c'est un truc là. Il faudra monter sur cette liane. Voilà, comme ceci. Et attention, j'arrive. Attention. J'arrive. Non. Attends, c'est quoi ce qu'il y a en bas? Ok, c'est pour plonger, mais attends. Laisse-moi tout de même monter. Et laisse-moi régler son compte à lui. Attends, je vais recommencer. Attends, et... Mais attends, c'est cette corde qui est par là, ça mène à où alors? Enfin cette liane surtout. S'il y a liane ici, c'est pas pour rien. Où est-ce que ça mène cette liane? Oh oh! Je vais aller donc sur cette maison pour me servir de plateforme beaucoup plus bas. Et comme ça, je vais monter ici et le taper. Voilà. Et hop. À moi le fétiche. Et lui. Voilà. Réglo pilou pilou. Bon. Alors j'ai l'impression par contre que je peux pas faire grand chose par contre. Et en même temps j'ai l'impression d'avoir un peu limite tout exploré. Donc y a pas grand chose de nouveau. Et à mon avis, la suite doit se trouver donc ici.
Bon, allez. Plongée. Plongée, plongée, plongée. Et... oh la vache. Je suis sous l'eau. Ok, je vois. Donc, il faudra carrément monter, monter, monter. Vers la forêt de feu. Non, 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 t'abrutis. Là, voilà. Ok, donc t'as un truc sous l'eau. Ouais, donc c'est vraiment un jeu d'aventure. Alors eux, ils vont être très relous. Et ok, donc là, je suis donc dans le truc de feu. Attention. Je fonce avec la lumière du son. Allez hop. On remplit la gourde. La gourde, la gourde, la gourde. Voilà, hop. Bon. Faut pas s'arrêter. Attends. Monte, 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 monte. Je peux taper depuis là. Attention, ça va faire boum. Exactement. Et donc du coup, c'est en feu. Non, non. Bon, ok. Ok. Vers le monument des tortues. Le monument des tortues. Dis-moi, donc si je parle, je vais au monument des tortues. Ok, je vois où il est. Et donc du coup, normalement, peut-être que s'il y a un passage ici, je pourrais remonter. Très bien. On y va. Monument des tortues, alors. Non pas des tortures. Ok, c'est infesté de petits singes partout. Et t'as des gorilles partout. Oh la vache. Oh non, ce bordel. Ouais, je peux vraiment pas les taper, hein. Enfin, les mamans surtout. Attends, moi, tu peux pas les taper, hein. Ils sont invincibles, hein. Ah, ok, si je les tape, je les stun. Victimisation. Ça prend la tête calmée un peu, là. Ok, c'est horrible, là. En gros, je stun les petits singes comme ceci, hein. Ça va pas être... Putain, mais j'arrête pas de rigoler, quoi. Genre, tu victimises ça, le pire en quoi, c'est que t'as les mamans gorilles qui font sur toi. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste. Ah oui, c'est infesté. Mais du coup, comment ça se passe, là? Ah moi, il faudra vraiment je saute de statue en statue, hein. Et là, si je regarde au niveau de ma carte, là... Ouais, je suis que tu m'aimes, merci. Et c'est bien, je disais, donc, il faudra que je trouve un passage pour couper, mais c'est lequel? C'est l'autre ou c'est l'autre? Du coup, tout ça, faudra... Ok, comme ceci là, je peux me déplacer comme ci, donc de faire des gauches-droites, ok. Bon, ça on va ranger. Alors réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Donc là, c'est où je suis arrivé. Il faut que j'y aille où alors? Mais il y a vraiment des petits singes à chaque mètre carré, donc t'as une chance sur deux de te faire blesser. Oh, cours. Cours, 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 cours. Hop là. Mais attends, vu que j'ai le sprint là. Oh, cours. Cours, 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 cours. Voilà. Attends. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fonce? Ben. On fonce. On court! Tu. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, attends, je vais quand même m'occuper de lui. Non, carrément, je n'arrive du tout pas à le toucher, hein.
Allez hop, on va dans le truc de tortue. Le tombeau des tortues. Et... vite, vite, sors, sors, sors. Non, je peux totalement... Je peux totalement pas. Tu peux monter sur ce rebord ? J'aurais besoin de lumière pour voir. Ouais bah... Voilà, hop, la torche. Et donc du coup... Ok, donc là, il y a un petit rebord ici. Avec carrément du bain de boue. Mais attends, c'est quoi ce lieu ? Toi, tu dégages. Ok, quels sont les pots qui sont piégés et l'autre qui sont vides ? Dégage. Non, c'est bon. Ok, il y a un gars piégé. Hop. Toi, hop. Toi, hop. Et ensuite, c'est tout. Bon, alors, il est où l'autre, là? Où est-ce qu'il... Où il est où, celui qui est piégé? Bon, il se cache où, là? Où est-ce qu'il est, là? Dans ce trou? Ok, donc là t'as un bouton. Mais le problème c'est que ce bouton, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse là? Vu que par entre là, le problème c'est que. Bah, en gros, je me mets bien dessus. Mais le problème. Il y a moyen de courir? Non. Si tu joues pas ça. Littéralement. Ok, bon. Ok, je trouve pas l'autre solution. Y a-t-il pas quelque chose à escalader? Mais toi, qu'est-ce que tu fous ici? Du coup, il y a quoi en hauteur alors? Vu qu'on a fait la partie là, qu'est-ce qu'il y a en hauteur? Toi, tu dégages. Voilà. On évite de nous tomber. Ah, c'est mieux. Une question. Bittenbinder m'a dit que toi et ton groupe recherchiez Kevin McAllister. Il cherchait quoi, McAllister? Une autre page du guide de l'héroïsme. Pour être un héros ou un guide. McAllister. D'accord, d'accord. Il cherchait Eldorado. Eldorado? C'est rien qu'un mythe. C'est ce qu'on dit. Mais je me méfie de « on », de « il » et de « elle ». Bref, je me méfie de tous les pronoms. Je crois qu'Eldorado existe. Et quel est ton rôle? J'adore les voyages dans le temps. Quel est le rapport dans tout ça? Aucun. J'adore, c'est tout. Ah bravo, ok, donc là littéralement, ok, donc on a retrouvé donc le geek. Alors tu mets désormais le plongeon et tu appuies sur, alors, L1X pour te lancer dans les airs. Cette technique te permettra d'avancer plus loin avec un seul main et plonger pour le moment. Ok. Alors attends, laisse-moi quand même bien voir ce qu'il y a pas ici. Je sens que non. Alors, ça et ça. Ok, donc je ferai en gros le long saut comme ceci. En gros, hop là. Hop là. Ok, donc là je sens que je suis encore plus agile, hein. Mais attends, j'ai pas tout fini de regarder parce que là j'ai fait que le côté gauche, mais j'ai pas encore fait aussi le côté droit. Et laisse-moi où il y a un petit tas par entre là qui a été retiré. J'ai l'impression qu'il y a un pilier qui a été retiré. Le problème c'est comment je fais pas entre là. Parce que là le problème c'est que t'as un poquet ici. Et le problème c'est que je fais comment en gros par contre là pour l'atteindre si carrément tu peux... Bah que tu peux pas faire ça. Ah bah attends. Peut-être qu'on faudrait avec l'autre pilier. Voilà. Hop. Et là. Oula, pas tout de suite. Là, hop.
Et là, hop là. Alors, il y a quoi dans cet autre sens? Ok. Ou attends. Est-ce que je peux tenter le diable? Et non, ils ont pensé à tout. Donc le truc qui est chiant, c'est qu'en gros, c'est gros, je suis ici et le problème c'est que le truc il se trouve là et ah, au moins j'ai quelque chose ici, mais le problème c'est que je vais comment pour aller à côté. Comment je fais? Parce que là, je mets trop de temps et de plus. Et de plus littéralement quoi, c'est pas suffisant à pas courir comme ceci. Non, littéralement. Du coup, ce fétiche, j'aurais aucune idée de comment faire. Alors, si je regarde par au niveau de la carte, je suis... Alors, je suis toujours ici. Normalement, il y a un truc du temple et... Ouais, bon, bah malheureusement, j'avoue que j'ai aucune idée de comment faire là pour... pour faire ce truc, hein. Tu te mets juste à la plaque pour ceci pour là, et sinon, carrément, je vois pas d'autre solution. Bon, très bien. Ok, bon. Allez, on va profiter tout de même de sortir. Sortons. Ouch. Aïe, ouille. Et ah oui, mais c'est vrai. Maintenant, je peux faire. Attends, on se met bien en place. Je peux faire ceci maintenant. Ça devrait marcher. Hop. Du coup, je disais là. Alors, attention. On se met tout bien au bord. On vise bien tout droit. Voilà. Hop là et... Je crois bien que c'est fermé. Oh, à part de... Sortir par le petit... Non, par le petit trou. Allez, entre... Sors de ce trou. Voilà. Dans ses narines et... Oh oh. Je cours plus vite que je peux. Allez. Voilà. C'est tout bon. Et oula, attends, fais pas le couillon. Évitons de faire le couillon. Non. Ah merde, putain, il fait chier quoi. Mais casse-toi, putain de singe, la con. Putain, il est emmerdant, hein. Et pire quoi, c'est qu'il est vraiment mais collé sur moi. Tu peux du tout pas le retirer. Du coup, il est collé à toi. Et hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Tiens, voilà. Et... Mais il est chiant ce petit singe, mais lâche-moi, putain. Non, je peux du tout pas. Je peux pas faire ceci non plus. Non, mais franchement, le petit singe en gros, il est collé à moi. Hein. Il veut me taper. Il veut me taper. Il veut me taper. Il veut mon bacon. Il faut vraiment me taper celui-là. J'ai toujours hâte d'essayer de l'avoir. Non. Attends, laisse-moi faire la bonne blague. Attends, parce que là j'ai un petit singe. C'est devant la porte. Mais je fais quoi?
Attends. Non, ok, je me dis qu'en gros que si tu traverses une porte là alors que t'as un petit chien sur toi, ils s'en tirent tout de suite, donc ok. C'est bon. Au moins ils sont pas associés, hein. Non mais t'imagines, imagine un défi où c'est tu fais tous les hauteurs de Pitfall avec un petit chien accroché sur toi et t'as l'interdiction qui se détache. Donc littéralement j'avoue que c'est un défi qui doit être super hardcore et nom de dieu. Bon voilà, au moins eux ils vont se refaire bully. Se faire bully. Et oh, ok je vois. Mais du coup je dois faire quoi? Bon ami, j'ai découvert donc un nouveau truc. On fonce, je cours aussi vite que je peux moi. Vers le village des indigènes. Le village des indigènes. Voyons voir. Entrée interdite. Ah? Si tu insistes, je te tue. Je veux juste faire un petit coucou. Pour un coucou, je te tue. Vous prenez votre pied en tuant, c'est ça? Encore une seule question et je te tue. L'écoute pas. Tout le monde est un peu tendu depuis que la princesse Mickey a disparu. Et si je la retrouvais? Toujours là, je te tue. Faudrait qu'on m'explique un jour pourquoi les princesses ont toujours besoin d'être sauvées. Mais comme ces indigènes n'en attendaient pas moins de leur héros, je me suis dit que je pouvais le faire. Même si je ne la connais pas, comment une princesse pourrait-elle résister au charme de Pitfallary? Ok. C'est vraiment un truc qui est classique, ok. Donc, il faudra une princesse, et s'il n'y a pas ça, bah du coup, tu rentreras pas. Alors, attends. Attends, je suis où? Attends, donc si le truc des indigènes se trouve par là, attends, je vais quand même trouver un emplacement, histoire d'éviter de me faire bolosser à chaque fois quand... Ok, j'ai entendu une voix là. Ok, y a un passage qui est ici. Moi, je bouge pas, hein. Je bouge pas d'un poil, hein. Bon, je vais pas quitter tenter le diable là, soyons. Hey, j'ai pas petit sur moi, j'ai rien fait du tout. En fait, il a senti au coup ma lance là et du coup, il a voulu m'attaquer. Et donc, du coup, je suis retourné donc au village des indigènes sans vouloir faire ceci. Du coup, attends. On va ressortir. Mais pendant que je dis qu'on doit speeder le fou. Speeder pour aller jusqu'au trou. Attention. Voilà, donc tu remontes ta cinématique là. Et on court. On fonce. On fonce. Ah, merde, putain, fais chier. Fais chier. Cours, mon ami. Cours pour ton cul. Allez, cours. Non. Il fallait que ça tombe forcément sur moi. Saloperie. Non, pas de petit singe là. Allez, dans le trou. Dans le trou. Et là, normalement, je peux souffler. La clairière des papillons. Oui, et si je regarde donc sur ma carte, je me trouve exactement à la clairière des papillons. Là où se trouve donc la passation en péril. Ok. Très bien. Donc du coup, on va tout de même essayer de sauvegarder. Hop. Et donc du coup, voilà, donc ça sauvegarde tout ça, donc on profite. Hop. Donc là, je fais oui. Tu, oui. Et ensuite là, ça fera donc une partie sauvegardée. Et voilà. Bon. Je vois juste un petit coup. Voilà, juste ici. Bon, très bien. C'est la fin de cet épisode donc sur Pitfall. Pitfall, l'expédition perdue. Bah, like, comme pas de photo, clique gauche, instant, tuto, TikTok. Ok, donc faudra donc trouver la princesse en péril qui s'appelle Mickey. Bah, ça c'est bizarre là. Hein. Qui s'appelle Mickey. Et donc, du coup, bah, ouais, tout ce que j'ai envie de dire moi, c'est que, bah. Oh, excusez péril et. Bah, attention à pas se faire bolisser la gueule, bien sûr. Bon, allez, tchuss!